Chers invités, frères et sœurs dans le Christ, la nouvelle de ce matin est bonne. Elle est même très bonne. En effet, nous sommes aujourd'hui dimanche, jour du Seigneur, où les chrétiens se rassemblent pour partager la parole de Dieu et la fraction du pain, comme Jésus le faisait la première communauté chrétienne. Ce dimanche 25 mai de l'an 2014 est revêtu d'un caractère spécial, car il y a quelques semaines déjà que nous avons célébré la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour où le Christ nous a délivrés des ténèbres en faisant de nous des enfants de lumière. Que cette lumière du Christ rayonne sur nos vies et plus particulièrement sur celle de ses futurs baptisés. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des mères. Maman a un petit mot chargé d'une grande signification. Il est bon, tout un monde fait de douceur, d'attention et de joie quotidienne. Rien n'est plus précieux, rien n'est plus charmant, rien n'est plus émouvant, rien n'est plus chaleureux que le sourire et l'amour d'une mère. Permettez-moi de vous dire, chers romans d'ici et d'ailleurs, qu'il existe autant de cœurs sur la terre qu'il y a une belle qualité dans le cœur d'une mère. Nous vous offrons aujourd'hui un arc-en-ciel bleu bien coloré pour gagner toute votre vie. Bonne et joyeuse fête. Ce dimanche aussi est le jour où notre communauté paroissiale a choisi de célébrer le baptême et la première communion des catéchumènes jeunes. Revérend Père, revérend Sœur, chers invités, frères et sœurs dans le Christ, voilà maintenant 3 ans que la communauté paroissiale nous a confié un groupe de garçons et de jeunes filles désireux d'appartenir à notre communauté chrétienne. Cachés dans le bois sacré, loin des regards et des propos distraits, les animateurs que nous sommes leur avons appris à observer les règles de vie de notre famille. Nous les avons surtout initiés à la connaissance de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Ces jeunes hommes ont suivi assidûment nos enseignements et nos recommandations. Aujourd'hui, nous pensons et affirmons qu'ils sont aptes à prendre part à notre communauté. Reverend Père, nous, animateurs, avons, avec la grâce de Dieu, rempli humblement notre mission. Nous venons vous les présenter à vous et à toute l'Église et demandons pour eux le baptême. Ils sont au nombre de 80 pour le baptême et de 11 pour la première communion. Ce sont exactement 91 jeunes, dont 53 filles et 38 garçons. Les voici devant vous. Reverend Père, reverend Sœur, frères et sœurs dans le Christ, telle est la nouvelle qui nous rassemble ce jour. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle. Chers amis, l'Église est heureuse de vous pointer aujourd'hui en son sein. Mais disposons nos cœurs à accueillir sa parole et à vivre ses sacrements en toute fidélité. Frères et sœurs, veuillez vous mettre